Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de la... Comment elle s'appelle, Eden? Alors, c'est exactement... Bah, je te propose d'aller voir le prix directement, Enune. Effectivement, elle est magnifique déjà, je l'avais vu dans... C'est la Bolokan Envisage. Effectivement, nouvelle sportive, je crois que c'est une sportive qui est tout simplement incroyable. Moi personnellement, je la kiffe, je l'avais vu dans le trailer. Je me suis dit, ouais, faut que je la custom celle-là. Alors, du coup, vous allez dans Legendary Motorsport et c'est celle-ci. Donc, qui coûte 2 472 000 quand même. Hein. C'est vrai. Elle est jolie, par contre. Je la trouve vraiment jolie. Ouais, mais par contre, je trouve que le prix est excessif. Sachant que les gars, quand on vous dit qu'elle coûte ce prix-là, évidemment, c'est sans la customisation. Hein, parce que la customisation, elle va rajouter, je pense, 1 ou 2 millions. Hein. Effectivement. Alors, bah écoute, c'est parti. Hein, j'ai envie de dire, let's go. On a la technologie, du coup. J'avais dit, ouais, c'est une sportive. Hein. J'avais pas regardé, mais bon, ça se voit que c'est une sportive, tu vois, à l'apparence. Du coup, on peut la mettre à Humanitech, mais bon, moi je vais pas le faire, bien évidemment, parce que bon, j'ai envie de dire la technologie Humanitech sert un peu à rien. Bah, en vrai, on s'en sert pas plus que ça. Hein. Ouais, on a le brouilleur de missiles, on a quoi d'autre? On a le. Bah, il y a le truc où ça jette des mines derrière et ça fait une IEM. Et voilà, mais par Attends, tu sais que. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un véhicule électrique, et d'ailleurs, c'est un véhicule, j'ai l'impression, qui est inspiré de Cybertruck un peu, hein. Genre en mode, tu sais, futuriste un peu. Ah ouais, c'est un véhicule très choqué. Ouais. Alors, j'ai pas l'impression qu'il aille super vite pour le moment. Ça, le problème, c'est que véhicule électrique, ça va pas vite du tout. Ouais. En fait, il démarre peut-être vite, mais après, en termes de trucs... Même en termes de démarrage, hein, regarde, attends. On va s'arrêter. T'as vu? Pour un véhicule électrique, je suis choqué. Après, il est pas custom, mais c'est vrai que je suis choqué du prix, en fait. Du prix qui coûte... C'est le véhicule le plus cher du DLC, les gars. Pour l'instant, c'est le véhicule le plus cher. Parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans les semaines qui arrivent, les gars. Mais on compte pas les voitures de police, on compte vraiment les véhicules comme ça, quoi. Ouais, mais ouais, par contre. Les véhicules de police, d'ailleurs, on peut même pas les récupérer, les véhicules de police. Non, il faut finir Clocking Bell. Donc, ouais. On verra bien, peut-être qu'on le fera. On le fera tout à l'heure. Mais en tout cas, pour le moment, les gars, on custom ce nouveau véhicule. C'est une sportive et c'est un véhicule électrique, du coup. Alors, est-ce qu'il est bien ou pas bien, tu penses? Du coup, faut oui, il faut remonter, pardon. Bah, je sais pas, Enune, hein, je sais pas du tout. On va voir ce que ça va donner. En termes de custom, je pense pas qu'il y ait grand choix non plus. Je pense qu'il va y avoir des trucs un peu what the fuck. Et je me suis pas spoil, hein, évidemment. Alors, mais je pense qu'il va y avoir des trucs what the fuck. À fond. Ah ouais, on a carrosserie en carbone. Je sais pas si tu vois, ça change la. Je vois pas. Ah oui, ok. Tu sais, ça change les. Ouais, ouais. Ouais, je vois, c'est du carbone forgé, ça. Mais ouais, par contre, il me rappelle le véhicule de Cybertruck pour ceux qui ont joué, justement. Ouais. C'est, on dirait, le taxi... Enfin, voilà, quoi. Moteur niveau 4. En plus, moi, j'ai plus trop d'argent. J'ai ce qu'il faut, hein, ce qu'il faut. L de série, L coupée. Je préfère de série, hein, personnellement. J'aime pas trop les... Ouais, de série, c'est beau. Avec le petit aileron, comme ça. Pare-choc. Alors le pare-choc il est comme ça de base. On a pare-choc rebord couleur 2. Je vais laisser. Ah, ça change pas de ouf, hein. J'ai l'impression que ça change juste des couleurs, quoi. Ouais, alors par contre la capot, je pense que ça va changer, non? Même pas. Ça coûte cher les options ou pas? Ça dépend. Genre là le capot par exemple 3000, donc ça va en vrai. Capot de série c'est comme ça. Ouais, je pense qu'on peut même. Par contre, t'as vu les bonbonnes qu'il y a derrière là? What the fuck? Ah ouais, j'avais même pas vu. Alors, capot. Ah, on peut changer ici comme ça. Oh là. GT. Je sais pas si. Tu vois. GT, non, c'est beau, GT. Ouais, GT, j'aime bien, les gars. Je pense que GT, on peut mettre. Par contre, les autres trucs, tuning. Ouais, c'est pas non plus ouf. Ça dépend des goûts de certains, mais moi, j'aime bien GT. Ça ressort un peu plus le véhicule. Enfin. On va dire qu'il est un peu plus beau, quoi. Phare, bon, on va mettre phare xénon, on s'en fout. Support néon, la couleur, on verra après. Alors, les motifs. Qu'est-ce qu'on a comme motif sur ce véhicule? Ok, ok, ok. Dégueulasse, ça. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse et dégueulasse. À la limite, j'aurais dit comme ça. Avec les petites finitions comme ça, mais bon. Ou comme ça. Juste les bandes, double bande noire.
Ouais. Après, cours, c'est pas ouf, hein. Même les bandes comme ça, j'aime beaucoup. Ouais, on va mettre comme ça pour vous dire qu'on change, quoi. Plaque, wow. On s'en fout. Bon, on va mettre jaune sur noir. Par contre, la peinture, je sais pas comment la mettre, hein. Bah, la peinture, je sais pas non plus parce que je sais pas. Pour moi, il faut une couleur pétante, tu vois. C'est un véhicule avec une couleur. Faut pas genre le mettre noir, tu vois. Mais bon, je sais. En fait, c'est un véhicule futuriste, déjà. Donc, soit une couleur chromée ou voilà, comme ça. Tu vois, un peu de. Oh là là, c'est magnifique. Ouais. J'aime bien le grid. Ouais. Oh là 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 là. Oh, c'est beau ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Attends, oh, le violet, normal. Il est insane. En rouge, t'aimes bien, non? Je suis pas forcément fan. Hein. Vraiment, les couleurs caméléon et tout, c'est incroyable. J'aime vu que c'est un véhicule aussi, futuriste. Hein. Ah, jaune, c'est beau aussi, hein, ouais. Mais jaune chromé caméléon, tu vois, de tout à l'heure, il était magnifique. Hein. En mat, c'est pas ouf. Ah, le jaune, là, tu parles. C'est pas jaune, mais voir. C'est orange un peu. Attends, il y a lui et il y en avait un autre. Rouge, j'aime pas trop. Bleu, c'est pas beau. Doré, non. Vert, bleu. Oh, ah, le violet, il est incroyable, hein, vraiment. Hein. Oh là là. J'aime bien les deux là, moi. Attends, je vais te dire. Ouais. Celui-là, non, celui-là, il est bof. J'aime bien les deux là. On tranche sur quoi? Bah écoute, moi j'aime bien. Bah, vu qu'il y a du jaune derrière, je sais pas si tu pourras le changer. Je pense que cette couleur là, elle te représente bien. C'est un peu ton logo, hein, finalement. Allez, on part sur ça. Et couleur finition, je peux mettre en. Bah, je vais mettre en jaune l'intérieur, non? Ou rouge? On peut mettre rouge. Tu mets. Non, pas rouge, rouge Torino. Toi. Pour une fois que tu fais pas une custom dégueulasse à chier, quoi, c'est. C'est vrai, c'est vrai. Là, les gars, n'hésite pas à noter aussi dans le chat, hein, le. Enfin, dans le chat, pardon, dans les commentaires. Ok. De série, c'est comment? On peut mettre. Ouais, on peut mettre carbone. Aileron. Alors, les ailerons de série, c'est comme ça. Donc, c'est un petit aileron de base, hein. Il y a un aileron dessus. Attends, on va voir ce qu'on a. Alors. Wow! C'est un meuble! Épave, non? Ouais, bah en vrai, j'aime bien parce que. Ça fait futuriste, quoi. Ça fait futuriste, voilà. Allez. Mais il est énorme, hein. C'est un banc, le truc. C'est vrai que c'est abusé, je suis choqué, les gars. Oui, il est what the fuck le véhicule, hein. Mais en vrai, il faut partir dans un délire. Type de roue. Les jantes, elles sont belles de base quand même. Mais dommage qu'on puisse pas changer, je crois, la couleur. Je sais pas, ça m'a coûté combien cette custom, mais ça m'a coûté cher. Et bah voilà. Customisation de la toute nouvelle voiture. Voilà quoi la ressemble. On va aller la tester forcément en custom. Bah oui. Ah oui, et du coup, il y a pas de truc à fond, quoi. Ouais, je sais pas, en termes de vitesse, je sais pas, j'ai pas vu. Il y a pas la, pour l'améliorer là, pour qu'elle soit plus rapide. HSW, oui, il y a pas. C'est bien dommage d'ailleurs. Ouais, parce que c'est un véhicule électrique quand même, donc je m'attendais quand même à. Waouh, c'est vraiment. Waouh, attends, bouge pas. Attends, je teste un truc. Ouais. Ah ouais. Vas-y, attends voir, essaie voir d'aller dessus. C'est un banc le truc, attends bouge pas. Vas-y. Ah ouais, on tombe. Dommage. Mais c'est un banc ton machin, hein. Alors on peut se poser, c'est à dire que dans la rue, si jamais vous avez ce véhicule dans la vraie vie, vous pouvez vous prendre l'apéro tranquillement à l'arrière. Ouais, c'est une table, voilà, tu déjeunes, tu fais ce que tu veux dessus. Par contre, il m'a pas l'air d'aller si vite, hein. Il est épave, hein, vraiment, hein. Oh, ouais. 2 millions de cas. Alors il est beau, hein, franchement on va pas cracher dessus, il est magnifique. Pour moi c'est. Pour moi, c'est l'un des plus beaux. C'est l'une des plus belles super. Enfin, pas sport. Enfin, sportive. Franchement, c'est l'une des plus belles. Et je dirais même, c'est l'une des plus belles électriques. Hein, vraiment. Eh, hey, vas-y, attends, accélère. Freine. Ok, non, autant pour moi. Non, autant pour moi. Je regardais les phares derrière, mais en fait, non. Bah, ouais, j'ai l'impression qu'il va pas vite. Il est lourd aussi, je trouve. Il est lourd à mort. Bah, je vais te faire tester. Faudra voir, est-ce qu'il tient les wall ride, est-ce que les méga rampes et tout, tu vois, faudra voir. Test et dis-moi, mais c'est vrai qu'il est beau, hein. Je valide. Test, tu vas me dire direct, tu vas me dire, ouais, nul, t'as raison, il est pas. Bah, déjà, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, moi, je suis pas fan. Ouais, il a pas l'air d'aller si vite que ça. Hein.
Après, attention, il a l'air de tenir. On va voir s'il tient la route ou pas. Non, il a pas l'air de tenir la route plus que ça. Genre, ouais. Par exemple, là, si je dois tourner, tu vois, là, hop. Ouais, il tient pas. Il tient pas plus que ça, c'est dommage. Et c'est voir de mais faire un petit saut, un petit truc. Ouais, justement, j'ai envie de tester un saut. On va voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que le... j'ai hâte de voir dans les courses et tout, tu vois. Ouais, genre le saut. Ok. Ah, bah, oui. C'est vrai qu'avec l'aileron, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais, c'est vrai que l'aileron, il passera pas partout. D'ailleurs, l'aileron, je pense que va falloir faire attention dans les courses. Hein. Je vous le déconseille ouais. De le mettre. Mais c'est pour ça que je préférais faire. Enfin, pas le mettre du tout. C'est un... Mais tu sais que c'est un camion. Prends une ligne droite. Mais tu sais que c'est un camion, ma parole. Alors là on voit ton. T'as combien? T'as 116, 120. Vas-y, accélère. Ouais, je vois. 124, 126. Voilà. Il est horrible en termes de conduite, hein, vraiment. Alors je crois que le max que t'as fait, c'est. Attends, vas-y, je regarde. Vas-y, accélère à fond. Ouais, t'as fait 126 max. Hein. Ouais, 100 miles, hein, donc c'est pas. Ça fait. C'est pas beaucoup. Hein. Ok, ouais, et bah écoutez, les gars, je pense qu'on va cesser là-dessus. J'espère que cette customisation vous a plu quand même. Il est quand même beau. Mais. Franchement, si vous avez de l'argent à mettre, mettez-le ailleurs, quoi. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, après, ceux qui sont riches dans le jeu et tout, vous pouvez vous permettre. Mais là, en l'occurrence, non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.